biso pe biso tour ekoya to yebite kozala ndenge nini kozala wapi me etalisa biso pe na ke tango ezali susute to mibongisa to teka kosakana na sango malamu oyo po ete ezali lettre d'amour oyo nzambe atindeli biso po motona moto amibongisa mpona kokutana ye nzambe azwa lokumu afortifie libota baruti surtout mama baruti otaleta outi koperdre mwana na ye monene sikoyo mobali ezali kambo monene ezali kambo kete tokokanisa ye ntango nyonso na mabondeli tokosutenela ye ntango nyonso nzambe azwa lokumu asunga po eglize ekenda mpe liboso pase baruti azaa kobenganga grande sœur depuis lemba un jour nayebisaki pase baruti nanga nzaka yo za mokolo nanga nzoka nga naza mokolo nabiabo banda lelo nakobanda obenga grande sœur donc depuis lemba banda kobenganga grande sœur tina ndenge akofila aza kobenganga ka grande sœur ndenge tokutanaki ndenge bosi boyoki lisolo nyonso nzambe azwa lokumu témoignage à papa Landou Oazaki qu'on travaillait puis ensemble avec le révérend Bakutika Songo a travaillé naïe en tant que pasteur Bakutana depuis qu'il est solo ndenge Bakutana qui et Bakutani na Lemba Bakutana Lemba pas pasteur Mukuna paix à son âme également évolué jusqu'à ce que l'ombre kuna parce que mina kibango batiki et bakei baki obanda église na rigini évolué jusqu'à nos jours ndenge pasteur Baruti atiki biso donc bazaki toujours ensemble pasteur Gimukeba oui olandi vidéo non très bien réaction non les appels bateau et très bien couple Landou. Bazali boko bato o to senge na bango li memi ya makasi. Oui. Papa Landou na mi bange mususu nyonso batali pe mena passe bauti parce que banduré makambo ebele. Banduré makambo ebele mpo ete mpo bazala pembeni ya passe bauti. Koza pembeni ya passe bauti ezali petete. Mm-hmm. Parce que c'était un grand, c'était un éléphant. Oyebi bisika éléphant le kaka. Matiti nyonso elalaka. Mm-hmm. Et donc c'est comme ça que Pasteur Baruti, si vous êtes à côté de lui, ndenge tout d'ego tambolana, il faut supporter pe que nyonso yamabe bato bakoloba et comme la yo ndenge zali baza ko viseye libanga pe ko longwa likolo na ipe ye bambio et batwana nyonso moni ba mesana ki pe bongo na kuika mpiko pona okoba na musana nzambe. Alors merci mingi na papa Landou litato na yena mama. Vraiment, Nzambe a batté la bango. Très bien. Nzambe a batté la bango. Tous ont continué. Tranche Bandeko Bazo l'andabiso de part et d'autre. Bandeko Internet Bazo déclaré Balobi. Tout le baran moins mingi français parce que. Bon, on va faire à l'ingala. Non, mais ce qui est vrai, depuis qu'on a commencé l'émission, on a commencé en français. En français. De temps en temps aussi, il faudrait revenir à l'ingala pour permettre à ceux qui ne comprennent pas aussi la langue française de bien suivre l'émission. C'est pour tout le monde, on le fait pour tout le monde. Merci beaucoup à vous. Je pense que nous sommes déjà. Pas encore. Nous ne sommes pas encore en direct depuis notre chaîne YouTube BK Multimédia. C'est déjà en direct. Oui, ceux qui nous suivent à l'étranger, cette tranche, c'est une tranche où nous rendons hommage à notre papa, à notre pasteur qui a vraiment travaillé pour le corps du Christ. Il a fait des grandes choses. Yemoko de son vivant, Zaki Kolobango. Le jour où je mourrai, le Congo perdra un grand homme. Et nous l'avons constaté, nous l'avons vu. Ce n'est même pas le Congo, c'est le monde entier qui pleure, le révérend Barutika Songo. Alors vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez un message à nous faire passer. N'hésitez pas, il y a les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans qui vous permettront d'entrer en contact avec nous. En attendant, nous continuons sur ce plateau avec le pasteur Guy
qui a beaucoup travaillé aux côtés de l'homme de Dieu. Papa Guy, vous avez fait combien de temps aux côtés de l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo? Oui, comme depuis que j'ai commencé à être interprète, jusqu'à ce que je suis parti, je crois que c'est 24 ans. 24 ans. Côté de lui. Oui. 24 ans, moi, na Botami, à Koli, à Tangi Classe, à Silisi, à Balipé. Voilà. À Balipé. Je ne vais pas dire ça. Je vais pas dire ça. Pasteur Guy Moukeba, 24 ans auprès du révérend Baruti Kasongo, qu'est-ce que vous gardez comme héritage? Aujourd'hui, le pasteur n'est plus en vie. Il nous a laissé depuis le premier. Mais vous, vous avez travaillé aux côtés de lui pendant 24 ans. Qu'est-ce que vous pouvez garder comme héritage de votre ancien, le doyen des anciens, le révérend Baruti, qui est aussi votre père, on le signale, parce qu'il vous a parrainé. C'est lui le parrain de votre mariage. Non mais, vous savez quoi? Qu'est-ce que je garde comme héritage? Oui. C'est ce que je suis maintenant. Ok. C'est la formation que j'ai eue d'abord. C'est vrai, j'ai eu à prêcher la parole avant que je ne puisse rencontrer le révérend. Mais il s'est inculqué en moi. Parce que maintenant, quand je me mets à prêcher, quand les gens regardent, ils ne voient qu'elle est passée par route. Donc, ça dit que ma manière de parler, ma manière d'agir, ma manière de gérer des choses en tant que serviteur de Dieu, c'est ce qui était le passé par route. J'ai appris à me maîtriser devant des situations. J'ai appris comment gérer une église. J'ai appris comment être en cas de contradiction. Alors, c'est trop. J'ai appris comment le miracle s'opère. Parce que le fait d'être aux côtés de Pasteur Baruti, c'est vrai, Dieu donne des miracles aux gens. Mais écoutez, vous savez combien de gens ont été guéris dans mon ministère du cancer, de sida. Dans votre ministère? Dans mon ministère. Parce qu'elle a été impactée à celle du Mais tout à fait. Mais tout à fait, une fois quelqu'un est venu qui souffrait du cancer d'estomac, il cherchait le pasteur Baruti. Il dit, mais le pasteur Baruti est aux États-Unis, est-ce que vous ne pouvez pas l'appeler pour qu'il puisse prier pour moi? J'ai dit non. Le pasteur est parti, mais son Dieu est resté avec nous ici à Kinshasa. Amener la malade. La malade est venue, qui était d'ailleurs une sœur religieuse catholique. On lui avait donné qu'une semaine à vivre. J'ai prié pour elle. Et la sœur est allée, on fait l'examen, on regarde le cancer qui était dans, dans son estomac, gros comme une orange, a disparu. Et le médecin était étonné. Écoutez, quand le médecin lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça disparaisse? Où étais-tu passé? La sœur lui a dit, non, je suis allé quelque part où les gens priaient, on a prié pour moi. Le médecin professeur, il a posé la question, c'est dans quelle église? Il a dit, c'est l'église du pasteur Baruti. Il a dit, ah, comme tu as cité les noms de cette personne-là, c'est fini. C'est fini. Donc, Baruti a incarné beaucoup de choses. Vous comprenez un peu ça? Oui. Il y a une autre malade qui venait seulement comme ça, quelqu'un est malade. Hein? Écoutez, je lui dis, mais pasteur Baruti n'est pas là, il n'est pas disposé. Mais toi, tu vois, le poignet là de la porte. Le pasteur Baruti touche ça tous les jours. Touche seulement ces poignets-là et crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras guéri. La personne touche et la guérison. Mais d'où vous venez cette inspiration-là de dire à la personne de toucher au poignet? L'inspiration me venait par le fait même de ma considération pour la personne du pasteur Baruti. Le pasteur Baruti n'était pas un ami pour moi, c'est un serviteur de Dieu. Le pasteur Baruti, bien que papa, mais j'ai vu en lui l'incarnation de Jésus-Christ. Alors, quand je vivais à côté de lui, j'étais toujours dans mes craintes. Hein? J'étais toujours en train de regarder tout ce que lui faisait. Parce que, vous savez, les dons se communiquent. Hein? Se communiquent, l'onction se communique. Alors, je savais que partout où le pasteur Baruti passait, il avait un ange qui était avec lui. Vous voyez un peu ça? Alors je savais que cet ange-là était permanent, même dans la maison où nous étions. Et chaque personne qui venait, qui pouvait se confier en Jésus-Christ, il pouvait avoir sa guérison sans problème. Parce que vous voyez,
Attendez, je vais vous dire encore une chose. J'ai connu beaucoup de choses avec le passé Barodi. Un jour, j'étais en train d'interpréter le pasteur Barouti à la chaire à Rigini. Mm-hmm. Le pasteur Barouti vient vers moi, comme ça. Pendant qu'il venait vers moi, il y avait à un mètre de lui, mm-hmm, l'ange du Seigneur qui était là. Vous l'avez vu comme ça? Non, je ne l'ai, pas vu, mais je l'ai senti. Comment? Ah bon? Il m'a traversé. Suivez-moi d'abord. Le pasteur Barouti était en train de venir vers moi. Quand il arrive à un mètre de moi comme ça, il descend. Alors, l'ange était aussi presque à un mètre de lui, mais était à côté de lui. Okay. Comme l'ange était ici, l'ange ne pouvait pas faire autrement. Alors, je sentis une personne me traverser. Vous comme traversez ça. Oui. Me traverser. Cette personne, comment est-ce que je peux dire ça? Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux employer comme terme. C'est l'ange. Quand ça vous a traversé, qu'est-ce que vous avez senti? Parce que ceux qui nous suivent doivent aussi comprendre. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. J'ai senti un homme. Pas même la présence. J'ai senti un homme. Okay. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Okay. Il m'a traversé. Mais c'était la chaleur, hein? La chaleur qui m'a traversé et j'ai senti comment il est descendu de l'autre côté. Personne ne pouvait le savoir, les voir, seul moi-même. Et je ne l'avais jamais dit au passé Barouti. J'étais resté moi-même avec cette chose-là jusqu'à ce qu'un jour nous étions à la campagne. Nous allons arriver à ce moment-là. Non, je te dis encore une chose. On va arriver à ce moment-là, s'il vous plaît, révérend. Je risque de ne pas. Vous n'allez pas oublier parce qu'on va revenir dans ça. Mais je voudrais quand même savoir. Vous avez dit que vous avez beaucoup appris auprès du révérend Barouti. Ouais. Vous pouvez confirmer que le révérend Barouti est une école pour vous et pour tout le monde, pour tous ceux qui ont cru à son ministère. Le révérend Barouti est une école, est une formation. Le révérend Barouti est une relève. Le révérend Barouti est de la tempe de grands merveilleux auxiliaires comme Spurgeon, comme d'autres qui sont venus après Wesley, après Luther, tout ça. Mais lui est venu du temps de Branham. Okay. C'est lui qui devait continuer avec le travail de Branham. Comme les Spurgeon et les autres ont continué avec le travail de Wesley, même le travail de Luther après. Voilà. Très bien. Alors, nous continuons. Vous avez vécu aux côtés du révérend Barouti Kasongo. Il vous est arrivé aussi de voyager avec lui. Dans quelles conditions voyagez-vous pour aller évangéliser? Dans quelles conditions? Oui, parce que plusieurs personnes peuvent se dire que c'est toujours la bourgeoisie, les luxes. Parce que vous voyagez dans du business class. Prenons d'abord la logistique. Le pasteur Barouti, je l'ai dit souvent aux gens, c'est un homme qui jamais, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, serait mort millionnaire. Mais je peux vous rassurer que mon papa n'est pas mort millionnaire. Que les gens le sachent. Parce que tout ce qu'il avait comme argent, il mettait ça dans l'œuvre missionnaire. Il a d'abord commencé à soutenir ses propres enfants, à gauche, à droite, qui allaient partout au Congo, même en Afrique du Sud, même en Europe. Il a payé des billets pour des gens, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Et là même où ils sont partis parfois, il a commencé à payer leur loyer. Les gens sont allés en Afrique du Sud, en Chine, par-ci, par-là, avec l'argent du révérend passé par au-dessus de sa poche. Ensuite, dans tous ces voyages missionnaires que nous avons faits, on est partis partout, dans le Mujimaï, Équateur, à plusieurs endroits. Et imaginez-vous, il y avait le voyage où vous pouvez partir, vous quitter Kinshasa, vous allez Mbandaka, Bumba, Ebonda, vous retournez Bumba, vous partez à Kisangani, vous allez à Bunia, vous retournez. Quel long voyage. Alors, dans tous ces voyages-là, celui qui soutenait ça, c'était le passé Barouti lui-même, avec son argent. Et imaginez-vous, on allait comme ça dans une équipe parfois de 30-40 personnes. Il avait des musiciens, il avait d'autres pasteurs, il avait des diacres. Il avait aussi le matériel de sonorisation qui parfois lui précédait.
Et tout ça, il le payait de sa poche. Il prévoyait tout. Tout. Et les conditions dans lesquelles nous nous sommes partis, il acceptait toutes les conditions. Il acceptait toutes les conditions. Il pouvait marcher à pied, il pouvait monter sur la moto, il pouvait monter. Je me rappelle une fois, on revenait de Kamonia, hein, Chikapa, Kamonia. Mm. Nous sommes allés donc Chikapa, Kamonia, Kamonia, Chikapa. On est entré dans un avion qu'on appelait Chenakwanga. Chenakwanga. Chenakwanga, je ne sais pas ce que ça veut dire, Chenakwanga. Mais c'est comme une petite libellule là. L'avion là est seulement à 10 mètres de la, de la terre. Et ça fait beaucoup de bruit. Il n'y a même pas de siège passager. Non. On a mis des, comme dans des foula-foula là. Oh là là. Comme dans des foula-foula, vous êtes assis sur des trucs comme ça. Et je voyais l'homme de Dieu assis comme ça. Fatigué. Avec, non, pas fatigué, mais lui, il est toujours concentré. Et il met les casques là pour éviter un peu de bruit. Il reste calme comme ça. Moi, je voulais même vomir. Moi qui étais jeune, j'avais difficile à supporter ça. Donc, si ce truc-là rencontre un arbre qui mesure, par exemple, 50 mètres, vous pouvez cogner tout ça. Et il me semble qu'il y a des moments où les gens ont connu d'accidents avec ça. Et vous tombez comme une brouette. Hein? Parfois, vous vous cassez seulement les pieds. Oh. Tout ça, parce que vous êtes seulement à 10 mètres. Mm. Donc, c'est un homme qui s'est dépensé coréenne, qui a donné toute sa vie à Dieu. C'est un homme vraiment respectable. Puisque nous sommes en train de parler de voyage missionnaire qui a effectué le révérend Barouti, c'est vrai que vous avez été à côté de lui pendant 24 ans. Ouais. Le révérend Barouti avait reçu 3 clés. Vous avez sillonné avec lui. Vous pouvez confirmer que pendant son ministère, on parle de 50 ans aujourd'hui, ces 3 clés ont vraiment exercé. Mais comment? Ça, tout le monde le sait. C'est pas la question. Là, c'est la question que vous devez poser aux Guinois. À vous de nous dire aussi, parce que vous avez voyagé avec lui. Vous avez aussi travaillé avec lui pendant plusieurs années. 24 ans, c'est pas peu. Moi, la vie du passé Barouti, c'était miracle sur miracle. Okay. Parce que du matin jusqu'au soir, à 18h, parfois même on allait jusqu'à 23h, on continuait seulement à recevoir des malades à la maison. Mais dans des grandes campagnes, mon frère, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Parfois sur la route, les pasteurs n'ont même pas commencé encore à évangéliser ou à prêcher. On est encore en train de se diriger vers le stade. Quelqu'un qui regarde seulement l'homme de Dieu comme ça, la hernie est partie. L'hernie part. La maladie part. Il y avait un Dieu qui était permanent avec cet homme-là. Et quand vous le regardiez avec un bon regard, vous obteniez ce que vous aviez comme besoin. Donc, ces 3 clés ont agi. Parce que quand il s'agissait, par exemple, de redresser les fausses doctrines, le pasteur Barouti le faisait sans tergiverser. Hein? Et puis, il le faisait toujours avec amour. Quand il corrige quelque chose. Tandis que je vois ces gens-là que l'on corrige quand ils viennent parfois rétorquer à la télévision si avec haine, ils sont en train de gérer le passé Barouti, en train de parler mal de lui. Mais l'homme de Dieu, lui, n'a jamais eu de la rancune ni de la jalousie envers quelqu'un. Quand il corrigeait toutes ses fausses doctrines, c'était par amour et il les faisait en connaissance de faits et de causes. Il ne les faisait pas pour rester ennemi de quelqu'un. Et quand bien même il corrigeait quelque chose et que quelqu'un venait rétorquer à la télévision, cela ne pouvait pas pousser le pasteur Barouti à changer la chose qu'il avait dit. Donc c'est pour autant vous dire que ces 3 clés ont bel et bien fonctionné. Et je vous informe qu'il nous a légué ça à nous, de ses enfants. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que nous allons suivre votre parcours, révérend. Ce qui est vrai, Pascal, tu sais que la diversité des idées ne fait pas de nous des ennemis. Non. C'est ça vrai ne que fait tu pas peux de avoir nous. Ton opinion. Moi, j'ai la mienne, mais ça ne fait pas des ennemis. Non. Certainement. Non, pas du tout. Voilà. Ça ne fait pas de nous des ennemis parce que nous sommes tous créés par Dieu, mais Dieu nous a créés différemment. Chacun. Voilà. Il nous a créés différemment. Ce qui fait que si mon frère est gros, moi je suis mince,
c'est la diversité des dieux. Alors, il a fait que Moutoumoussou soit Ndima et Loko Moussou soit Ndima. Et ça, à Vinae, dans mon kili, tu vas pécher liberté d'expression, tu vas pécher maintenant, tu as le droit à Koloba. Oh, il y a Zo Kalissa. Oh, il y a Zo Monaké, il y a Mondeza vérité. Jésus-Christ n'est pas sur cette terre, il n'a pas été reçu par tout le monde. Non, il y en a qui l'ont reçu, il y en a qui l'ont rejeté. Il a accepté qu'il est comme Christ, comme sauveur. D'autres personnes ont traité qu'il est de Belzeboul. Exactement. Ça veut dire que. Tant qu'on est humain, on est sur cette terre, Moutagondima à 100% azaa té diversité ya makanisi. Yozo kanisa bwinga na okanisa mboye. Soke simbité toza ba ennemi té. Voilà. Et donc, cela n'empêche pas que tu honores la personne avec qui Oyobozala qui n'a pas diversité. N'a pas divergence wana bo honoré été. Non. Ça, sur ce point-là, il faudrait qu'on sache différencier la doctrine et l'humanisme. C'est ça. Ça, il faudrait qu'on sache comment les différencier. On peut être divergent sur le point doctrine, mais on reste humain. Tout à fait. On reste prochain parce que Ndam Balobi aime ton prochain, nous devons le respecter. Très bien, je vais lire quelques messages sur YouTube avant de passer de l'autre côté. Il y a tellement beaucoup d'appels aussi. On va passer d'abord de l'autre côté. On va d'abord prendre l'élément, oui. Sarah Poiti qui pleure, qui dit ah papa, Kianga Moulopo Shalom. Manadio John qui dit nous sommes là depuis l'Angola, compassion avec la grande famille de l'église Baruti Tabernacle. David Simif qui dit Dieu console nos cœurs et surtout de notre maman Fobaruti. Alain Bayunga qui dit gloire à Dieu. Trésor Vincent, vraiment. Rachel Mouni qui pleure. Paul Edaka qui écrit. Frère Paul Edaka de Bekatab, je pense. Le pasteur Baruti est un papa qui s'est intériorisé dans nos vies par le grand cœur qu'il avait et le grand amour qu'il avait envers les enfants de Dieu. Rip Beka. Jemima Kanyekete qui dit à Beka. Nous sommes en direct, vous pouvez nous écrire et réagir par rapport à notre émission. Pascaline. Alors, on va aller du côté de la régie. Beka a été aimée de tous. Et ça, c'est une artiste, Maman Laure, comme nous aimons l'appeler. Elle venait plusieurs fois. À chaque fois que Beka faisait appel à elle, elle venait dans Baruti Tabernacle. Elle a aussi rendu hommage au révérend Baruti Kassongo. Nous allons suivre et puis nous revenons juste après. Elle est contente, elle est vraiment satisfaite Nabola Mwanzambe d'une manière ou d'une autre. Nous sommes en deuil, on a perdu l'un des piliers de l'évangile. Un mot par rapport à pasteur Barout Sidati Kims. Est-ce que vous avez un peu d'une manière proche? C'est mon papa. C'est votre papa. C'est mon papa. Papa Barout, c'est mon papa. Disparu. Non, nous avons eu un peu de temps. Na donc, on a eu le titre de la parce okay. que quand on a tiré l'internet, dans mon église, les gens pleurent. J'étais en train de pleurer dans ma mananga. Okay. Ma mère aussi aime beaucoup le pasteur. J'aime le pasteur Baruti. Okay. J'aime le pasteur. C'est parmi les hommes de Dieu, on a personnellement la ligne à Ming. Okay. Et il le sait. Surtout aux années, quand il que papa, je vous aime. Ayebi, Ayebaki, Ayebaki Amo. Et je le témoigne. Même dans l'église, il y a Baruti Tabernacle à travers le monde. Bah, et puis, quand j'ai l'occasion, il y a Kokende, na témoigna Kango. Surtout dans Dallas, papa Baruti, a ça déjà passé au papi, na maman mi sur au Tegouti Kabiso, moi na papa Baruti. Et ça, ça c'est ma fille. Porte Tegouti Kalaka ya Koufouan. Ça dire quoi? C'est vraiment un papa Oyo. Azana bolingo moko on dirait bakine bazaki na bolingo moko on dirait bakine là c'est à dire azaki 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 na molo donc il y a don na kati na e. Okay. Papa Baruti, moi je peux témoigner que papa mon nzambe po azana bolingo moko bolingo ezaka tu sens que oh ils a mutu te ils a c'est le Saint Esprit na kati ya mutu ndé apesa yango. Donc il nous a témoigné de son amour surtout biso ma chantre na mboka oyo. Papa Baruti, c'est parmi les pasteurs Oyo,
bah soutenir Misala Labisso d'une manière ou d'une autre. Là, il y a un concert Moussousou. Il a acheté des billets, je crois, pour n'arrouper sa batte dans Baruti Tabernacle. Je crois qu'il a un billet de 2 500 $. Ok. Il y a Moko. À talité haut, au bas de dénomination, aux religions autres, tu as à la bloquée. Alors, père, tu as papa. Moi, je sais qu'il a achevé sa course. Okay. Et c'est un homme de miracle. Azaki Moutoyo, Abondeli, Alobib, Asali est forte. Moutoua Biki, Moutoua Kangolami. Et Tangwe Koki, pour que Nzambe a récupéré Moussali Naye, pas si pour la séparation dans Nzoto. Mais en tout cas, paix à son âme et nos sincères condoléances. La famille Nyonso, il y a Baruti Tabernacle, paix, il y a la famille biologique, ce n'est pas le bien, la famille, il y a Balalanzambe, Nyonso, Oyo, Balingaka, et Bazala bénéficiaire, il y a ministère. Merci beaucoup, maman. Alors, on va... Papa des multitudes, papa des nations, le révérend Baruti Kasongo était un père pour tout le monde. Tout le monde, même ses détracteurs, il pouvait critiquer en public, mais dans le privé, il le considérait comme un pilier, comme un modèle, comme un baobab. Et aujourd'hui, c'est toute la nation congolaise qui est en pleurs. C'est toute l'Afrique qui regrette le départ des ses grands dons à la maison et c'est tout le monde qui pleure Baruti Kasongo. Il restera à jamais, alors à jamais dans nos cœurs. Je ne suis pas sûre que l'histoire de Baruti Kasongo est aussi la siko dans mon kilo. Hein, Papa Guy? Non, non, c'est difficile. C'est difficile parce que lui, c'est un monument. Okay. Les monuments restent et sera toujours un vestige. Donc, on s'en souviendra toujours. On s'en souviendra toujours. Le révérend Vubidi là, parce qu'il parle de monument. Ouais. Le révérend Vubidi là, il a même demandé au gouvernement. Ce qu'il a organisé hier, oui. Le mortuaire qu'il a organisé hier dans son église en Mbujimayi, il a demandé au gouvernement s'il pouvait ériger un monument. En mémoire du révérend Baruti. Votre réaction? Certainement. Je crois que le président de la République doit déjà avoir écouté ce que l'homme de Dieu Vubidi là a parlé. Et nous aussi, pratiquement dans les comités organisateurs de ces deuils, nous pensons que c'est la chose à laquelle nous sommes en train de penser et que nous pourrions faire. On ne peut pas faire autrement. On ne pourra pas faire autrement. C'est ce que nous allons pratiquement faire. Voilà. Le pasteur Kazambakana de l'église primitive qui a demandé à la justice de lui accorder une liberté provisoire juste pour plaire son père, qu'il cite le révérend Baruti. Vous avez apprécié là votre réaction? Mais c'est son père. Vous voyez, parfois nous vous disons ici qu'il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié des services du pasteur Baruti mais qui se sont détournés. Vous voyez, chacun est libre, comme notre sœur Pascaline venait de dire ici, quoi. Dieu a sa manière de faire des choses, quoi. Nous ne sommes pas le même. Nous ne sommes pas le même. Parmi tous les enfants de Révérend Baruti que je vous ai dit ici, qu'il a soudoyé, qu'il a fait ceci, cela, pour que leur ministère tienne, beaucoup l'ont abandonné. Comme aussi Paul avait été abandonné par plusieurs personnes. Alors, comme Pasteur Baruti était aussi de cette carrure-là, il était dans la tente de ses grands serviteurs de Dieu et qui ne pouvait pas être accepté par tout le monde. Alors, casse. Moi, je pourrais dire que si cela peut être possible, qu'on les laisse venir pleurer son papa. C'est un homme très important qui est parti là dans sa vie. Il peut venir. On accorde cette liberté aussi à plusieurs prisonniers qui viennent et puis après il va rentrer. Voilà. Moi, j'ajoute aussi ma demande sur la demande du pasteur Kass. Qu'on puisse l'écouter, qu'il vienne. Merci. Alors, nous continuons. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent de partout. Ne vous inquiétez pas, nous allons lire vos messages et nous allons recevoir aussi vos appels. Mais sinon, il y a... on peut prendre l'appel? On va commencer déjà. On va prendre les appels et les messages. Écrivez-nous sur WhatsApp, YouTube, allô? Même sur Facebook, on est là. Ah,
Allô. Kolo apambola yo, cher Pascaline Kikongo. Amen. Apambola prêché frère Serge Mapandu. Merci, apambola opé. Koleka mingi, pasteur Kimukeba. Merci, merci apambola opé. Nasepeli. Amen. Nasepeli nenge bozali ko kobenga ye. Hier, là qui vraiment moutou à Tamla qui n'a papa 24 ans dans le biwana. Et ça est important. Oh, il y a salut que le bateau soit on a naboké, mais nous sommes toujours dit Mayango. Yangoana, Nakoba Boye. Papa Baouti. Oh, on a benga ka toujours. Les meilleurs pasteurs du monde entier. Azalaki, pasteur Mogo Azalaki n'a plein d'amour. Vrai. Bolingonaye, Ebanaki n'a moutou tina manzaka. Tomoni, Toyoka, Assomela, ba église, ba terre. Non, ma parcelle, je crois que le pasteur dit que va à ça d'accord n'angaï. Vrai. Papa Baouti a combattu le tribalisme. Vrai. A ça là qui m'a tout ce qui a salu conduit. Peu importe écolo, il y a ça qu'on a été accomplacé. Tout à fait. Azalaki na komiki kisa moko oyo na sali komona yango na pasteur moko te na monde entier. C'est vrai. Bona na ngai très bien, bona na ngai très bien. Pasteur Baouti abaye kolinga même ba pousse-poussière. C'est vrai. Panina la ye, même la pousse poussière. On continue à mon nil par passer à mon nez dans la ye, à sa naba ninga, le cola, la pousse poussière, le cola, donc la bateau se fait dans le bambou en Angela. Fala que ça gaga ye. Ngaï, n'a qu'on a de la vie d'aboué, à sa naba ye, pas où tu t'es bien oncle. Nazaka na chekino. Neboye ba yangoke na boneka ko linga pasha Baouti. Même nazaka musika na boneka ka ye. Pete. Oh na bana ko mona. Na bana ko ba yete nzambe kana na ngolu. Na koma la pemeni ya papa oyo. Et tant on a commencé à permettre de passer ma route jusqu'à Songo, il en a changé complètement. Avant de commencer à permettre, j'ai douté qu'il y avait un véritable Saint-Esprit. J'ai douté. Mais tant on a commencé à permettre, j'ai crié réellement que, oh, les attaques qui n'ont pas transmis, qui sont partis. Et pas dans l'aïe. Et là, on a tué la suite d'abord. Et j'ai dit, bon, j'en mets 4 naïe. Mon lit, mon centre, la chose, les 4 naïe, la suite, il est parti dans l'aïe. De quoi lui, bamba, ça là, bref, parce que, et ça, Banigam, c'est pas faux, babenga. N'a pas cité. Na yoki ete bolomi ete esengeli basale la papa na biso monima. Esuki wana sengela wabakisa boye. Soki mokonza mboka kooka biso na sengi na ye, n'imposete na sengi na ye. Journée ya le 1er juin.
et quand ma journée chômée est payée. Pourquoi pas qu'on tient un arabe héros? L'animité a atteint d'adoption. Merci beaucoup, Ndeko. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Libamba. Un grand merci. Tu peux s'appeler Space de Bandeko. Bandeko, il a parlé, je vais lui apprendre que le passé Baruti, c'est déjà un chancelier d'ordre national Kabila Lumumba. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Zamba Pambola, dis-moi. Amen. Amen. Pambola, au Pobengu, à Bikombonani. Oui. Oui. En tout cas, la zone à jouer, ma casse, ma maman, la émission, au fond, la galette, la chope, mourir à ma casse. Au papa, ma lawana, la vie, donc, ce monde nous a mis, quand il m'a monté, quand la macamou est venue, il m'a mis à la. Et puis, la galère, la chèque, mon R, j'aime R, qui avait des papas coucou, la mère pour lui contrôler, qui m'a dit, ah, c'est un peu de la chèque, mais R m'a eu un petit bâtiment, on est en de mener. À l'audi avant que le Nicolas et la Canadienne pour le celui et rassurer ma tête et rassurer ma capacité en tout cas dire par la sincérité c'est une joie pour moi. Merci. Papa n'a dit que la joie pénale n'a dit que c'est lui il peut être dit qu'à l'exemple moi c'est ma vie c'est tout il me dit qu'à un mâteau c'est nous la qui Merci. Amen. Et puis il y a d'autres constructions qui n'ont pas besoin de la bande de commencer qui avait dit qu'il y a des coups qui me va témoigner, je suis que n'a pas un site d'amour n'a pas mon cas. Merci. Merci beaucoup à Pambola. Pascaline, toujours appelle nous. Allô. Allô. Il est parti. Vu la grandeur de cet homme de Dieu, l'honorer au stade des martyrs serait une bonne chose. Tata Raphaël Ezamouké Makasi. Batumusu Subakozanga Bisika, Léonard Kabilo. Wana. Tata Raphaël, vous vous souvenez? Oui, Tata Raphaël. La campagne en 2016. Merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Si le président peut nous honorer son papa aussi, ça sera une bonne chose. Merci. Nga Charoufa, na Monga Fula, na Tondi Nzambe. Oh là là, je suis passé à autre chose. Bonjour RTVA, vraiment ceux qui ont pu travailler avec les pasteurs Baruti sont bénis. Merci. Je l'aime beaucoup quand même. Nous tous dans le monde entier, on a reçu de lui des grandes choses, surtout côté spirituel. Merci Seigneur pour cet homme. Frère Benjamin Kongoli depuis Kianfu. Merci. Nga Charoufa na Monga Fula, na Tondi Nzambe ya Pesibiso, Mosali na ye kasi tokobosa na ye te tozu molimo santu na nzela na ye na nzela ya message. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour bien-aimé Obengu ya Bikombo nani. Oh, Ndeko Akei, on va continuer, il y a beaucoup de messages. On va continuer avec la lecture. Bonjour Tozo Senga Bino, Papa Baruti Azalaki, Moutete la, Bote la Buso, Atabanzembo, Yakitete la, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Rose Matondo depuis la commune de Lemba. Notre papa était un bon papa. Il nous a prêché la vérité. Il nous a amenés jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Que son âme repose en paix. Amen. Bientôt dans la douceur, papa. Amen. Allô? Allô?
Allô, bonjour. Bonjour, Ben Gabi Kamonani. Bonjour, Ben Gabi quartier 5, toujours au cas. Programme vous allez communiquer très bientôt. Donc, vous allez toujours en observation. Topé, ça communiquer à programme exact. Merci beaucoup. Toujours continuer. En tout cas, Bandeko Bazo Benga Bissona WhatsApp. WhatsApp est alors un peu compliqué avec la connexion, mais on va essayer parce qu'il y a nos bien-aimés de l'étranger aussi qui veulent participer. Tokoumé Kakoyamba Bino. Allô? Allô? Bonjour. 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 Ndeko Bengi Biso Wapi Kombo Nani? Voilà. Il est parti. Peut-être à court d'unité. Nous sommes là. Je rends hommage au pasteur Baruti, je le pleure. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il a prié pour moi et pour ma fille en 2007. Et depuis ce jour-là, quand j'ai une situation qui me dépasse parfois dans le songe, je le vois en train de prier pour moi. C'est la sœur Boris depuis Brazzaville, que son âme repose en paix. Merci, sœur Boris depuis Brazzaville. Nous demandons que Dieu vous bénisse, chère madame. Nous sommes dans la joie de voir notre pasteur Guy Moukeba pour ses témoignages réels. Pour ce qui concerne le monument historique pour notre patriarche, nous demandons à notre président de bien vouloir accepter. C'est là le 1er juin, c'est la journée inoubliable en RDC. Nous demandons vraiment le stade des martyrs. Tata Raphaël Eza Moukie Ponadei, Eza Moukilimou Bimbande. Les amis qui demandent la chanson de Tété là, pasteur Baruti, et pour tout le monde. Merci beaucoup. Ah, on prend cet appel. Allô? Oui, c'est RTVA. Vous oui, êtes en direct, on vous écoute. Moi, je suis à rendre témoignage, hommage à pasteur. Allez-y. Le fait que vraiment Zaki Moutoyo Nzamba Ponaki, il était vraiment un envoyé de Dieu. Mm. Alors je me souviens en 82, on a vu ce Tozaki n'a pas système à foyer. Tozaki n'a frère, mon gazoïf, ça a vu ce que pasteur Amino et sa pasteur Baruti. Mais l'année, on a compris, on a dit, on a pensé que peut-être que Aza, pasteur Nabisson, a un niveau à foyer. Mais avec le temps de vivre, j'ai compris que Moussala, voilà, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est le frère Dieudonné de Kimbanseke. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Pasteur Guy, vous allez dire quelque chose? Non, non. Par rapport à ça. Je voulais dire seulement que c'est mon fidèle. Ah, ok. C'est mon ah. Et mon berger doit connaître. Connaître ses enfants. Le pasteur a reconnu votre voix. Vraiment. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour Frédéric Denis. Ok. Alors nous continuons. Notre appel. Ah, merci à Pambola, frère Diédoni. Shalom, mon frère Serge, juste pour parler de papa Baruti Kasongo Léonard, notre papa qui nous a laissé aujourd'hui le message est respecté parmi les pasteurs qui ont travaillé dur. Le pasteur Baruti fait un grand pas. J'aime jamais l'oublier dans nos cœurs. C'est de la part de frère Benim Voudila de l'église Péniel Tabernacle depuis Rigini, que Dieu console la famille éprouvée Beka Tabernacle. Allô? Oui. Allô, maman. Oui, Ndeko, ben y biso wapi kombo nani? Oza en direct, bien aimé. Tozo kayo. Oh. Il est parti. Salut chez vous. Nous vous suivons à la maison avec le pasteur Grasse. Je salue le pasteur Guimou qui est bas, que Dieu console nos cœurs, qu'il repose en paix. Emma de la parole. Merci beaucoup. Shalom, bien aimé. Nous aussi, nous pleurons et saluons la mémoire de ce grand homme des dieux parmi les grands sur cette terre. Aujourd'hui, que Dieu l'accueille dans son âme avec paix dans sa gloire. Dimanche, nous serons rassemblés à Brazzaville pour honorer sa mémoire. Frère Clive Mazaka, depuis Brazzaville. Bandekwa Brazzaville, Pe Basangani, Bazo Lela, papa, et puis ils vont honorer sa mémoire. S'il vous plaît, le programme est là. Le programme est là.
La veillée sera organisée la nuit du dimanche 9 juin au lundi 10 juin, 5e rue de la Liberté, Mukondo, vers l'église catholique de Mukondo, dite Sainte Rita. Venez pleurant notre papa, notre pasteur, notre frère, notre doyen, notre évêque. La voix de l'aigle tabernacle. Le pasteur Victorien Gabel. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Victorien. Alors, on continue. Il y a beaucoup de messages, mais on prend quand même cet appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Maman, Obengi, bisou, api, kombonan. Na bengi na kishasa na. Na bengi na kishasa na kauka. Na bonde la kaya. Pasteur Moussa Ilunga. Na yolo site. Pasteur Barouti, c'est notre papa. Donc, ton père, vraiment, un message. Donc, tout le monde ici. Boulingonaï, on est bandissa, papa. Vraiment, Boulingonaï, on est bandissa. Comment on a papa et Boulingongo. Vraiment, on s'en va pas en boulaï. Mais, tu sais, il y a le président de la République. La campagne à Stala, tu as dit, si, ton mieux, quoi, ma. Et bon, collé là, et monde, mon papa, il y a ta vie, non, moi. En tout cas, bon revoir, on s'en va pas pour la vie, non, mes condoléances à toute la famille chrétienne. Merci beaucoup. Je pense que les Gambas demandent, pasteur Guy Moukeba, les Gambas demandent, il y a stade Tata Raphaël, les commis sérieux, Bazo réagir de partout. Hein? Je pense que ceux qui, souvent, Ming stade des martyrs, ils ont la canamoua, problème ndé au monde à batwa qui mais na tata Raphaël mais na kanisi que ce qui vraiment stade de martyr cause la bien et cause la très bien président de la République à quoi européen s'habitue à monter à quoi boire thé parce que à baye bah que na dernière campagne tout ça là qui bat te belé bah échoua qui na cocotte na stade parce que Zala qui est déjà plein alors toujours craindre que Mbalo ils appellent la même chose tu donc on va te voir là on a beaucoup mobimba vraiment tu sais la présidente va conjamboka bataille la bise sur les camoufles et président Azako Yoka Azapé très attentionné na dey boyo et c'est ngeli boye bango. Merci beaucoup. Je vais lire quand même quelques messages sur YouTube. Séverin Doumbi qui nous suit depuis le Gabon, qui dit depuis Évangile Tabernacle du Révérend Apôtre Mosengo à Mwanda. Nous sommes en direct. Merci. Caleb Ekula, Pasteur Barouti est un homme appelé des dieux. Sabine Malonda, notre ami fidèle dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est Papa Barouti Kasongo. Marie Inkamba, Nkolo Asunga Biso, ça fait mal que son âme repose en paix. Nazon Dimate, Tozalina Bino Elongo, Kiang Mulopo, Ngai pour la première fois. Namona Miracle, Zala qui est pas y a pas. Pasteur Barouti depuis Brésil. Kasongo Lumande. Pasteur Barouti était un homme de Dieu. Dans le monde du message, nous n'oublierons jamais que Dieu console son Église. Daniel Kölmas. Le pasteur Barouti était une figure emblématique, un modèle, une école, une référence, un modèle de mariage dans la fidélité. Un modèle de mariage dans la fidélité, référent. Mboula, tout kouso ki boni kole kamitan, motako sa moi si naite. Ami, yazak a modèle. Banda bala, atam komo rote apousana pe mena mama fompo na orbete mama nanga limbi sanga itala boye boye. Aza modèle pour na batebele. Bisope ba na ye ndenge moko, banda pe, à quoi l'isabiso to, à bas l'isabiso, t'il le to garder même cap. Nzamba pamola et mingi penza, bisika zali, toza oko wabe kola na modèle wana. N'engana l'obelo ou moko. Allez-y. Et senge boye bayango, pe batonio so baye bayango. Passe baouti. Frère Branham, Jésus Christ, et zan nengemo na ministère na bango. Pour ce autant, il n'a qu'à la Bible, balobi que. Ezali na misala mususu ebele Yesu Christ a salaki o ezagi reprite. E bazoeka quelques témoignages. Frère Branham, ekutu ba témoignage ebele na oyo
y a camion mon baba tondi ça na ba ma benda ba coca console mais en dehors de cela ba bi ke ezana mususu oyo ba tikala komate pasteur Baruti soki toche mukanda ba témoignage to bi ki chasse mon baba cha mulongo ba koma ba témoignage ti ata semaine mon besi la kate. Hier encore dans une résidence, j'ai vu quelqu'un venir aïe, abi papa, papa, talanga ndenge nazali, ngakut nazawo ebayete. Abi nanga na yakia wana mabende nazota mana mabende. Mais lelo na boka mabende talanga ndenge nazali. Likolo ya papa Baruti. Et chaque nzela totambola okutana mutu, ah nga passé Baruti et na campagne boye na bikaki. Atikala ko témoigner te. Même na RTVA awa. Tango bozo yamba paste Baruti, si manango a bonde lipo na batu, batu bazo bika, bate mwanyate. Kanzambe mwonde mutwa ebi. C'est pour cela quand les gens disent que c'est un monument, réellement, il a rendu de très très grands services na mboka oyo. Alors, il y a un autre message. S'il faut parler de papa Baruti, j'écrirai un livre. Je me souviens un jour, ça doit être en 2010, j'avais un problème et je voulais que papa Beka prie pour moi. Mais à chaque fois que je le cherchais, il me disait, « Yozamo nandaku, yaka nandaku jumususu. Je suis très occupée. » Une nuit, j'ai prié pour mon problème. Je rêve papa Baruti qui me dit que Dieu a exaucé ma, Dieu a exaucé. Le matin, je suis passée par l'église et je l'ai trouvé Beka debout devant son bureau à l'ancienne église. Il était avec le pasteur Mali et son ancien secrétaire Moussendo. Il m'a vu de loin et m'a appelé. Je me suis approchée, il m'a dit, « John, la nuit tu m'as parlé, tu m'as dit ça et ça, et j'ai prié pour toi, je n'arrive pas à comprendre. » Il m'a parlé de mon problème et il m'a dit que je lui ai parlé la nuit. Personne ne comprenait. Il a commencé à nous expliquer sur le fonctionnement de la théophanie. On était tous étonnés. Ses papas vivaient entre deux mondes. John Lusala. Pasteur Gimukeba, na zongi sous na message. Oui. Likamba bandoto, batu komonara pasteur Baruti na bandoto kozora ba solution. Batu balali ba moni ba opération salemi na se andoto na tanga lamuki ya moni ngo réalité. Voilà batu bazo confirmer bandoto ebele. Yom toza ki proche, oza ki tout le temps na pendant 24 ans. Ouais. Makamba bandoto ngo finalement iza ki penzani. Tolo ba ona mwa lingala. Batu penza ba. Bosoto Kinshasa ba. Ba comprendre ngo penza ma malama. Son azolo ba 24 ans, c'est allé 24 ans on a travaillé pe meni na yi, pa na église. Oui, oui. Alors, c'est très simple. C'est très simple. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit azoaka kor ya bato. Voyez un peu ça. Omoni soko lotindoto, omoni mutumoko oyo yebite ayé kobiki sa to abonné lipo na quand tu vas te réveiller le matin, okozala vraiment na beaucoup de questions. Alors, tango bato bozon dimela ministère ya pasteur Baruti. Pour vous prouver que c'est Dieu nde bino bondimeli, yangona bongo na kata unzamba zwa ko visiter yopo apesa yo yano. Azola tanzoto ya serviteur na ye. Alors, eloko wana eko faire comprendre bino malamu lilobana nzambo ezali kolobete. Bokonzi na nzambe ezali kondima sango nzamba tindelio pe kondimela mutinda minaye po bato musubu balobaka soba moni bato bazo belela pasteur Baruti bazo ndimela pasteur Baruti oh non pourquoi vous l'incitez pour l'adorer non le pasteur incarné Jésus c'est pour cela que tango Yesu alinga ya ko visiter yo Jésus que vous ne connaissez pas vous ne l'avez connu qu'au travers de ses ministères. Il prend le ministère que lui a utilisé, il prend la personne que lui a utilisé, à y rendre une visite. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça, kaka on de quoi on a l'obité. Au batebele, on a passé baouti nandoto à yepe, et il était malade, à bonde l'épaule à yé, et le lendemain matin, à la mouka robika, Isaka Moutoumou Wanate. C'est parmi baouman à l'obité. Bah témoignage je sais belé mais bah toi le bah angoté c'est normal jusqu'à un niveau où il peut vous dire c'est que vous avez rêvé la nuit mais ça c'est un don de connaissance voyez bien bala mingi za lakata mudazol ba ngota msusu quand un serviteur de Dieu vous parle comme ça vous pensez que il se connaît ce qu'il est en train de dire non il se connaît pas
Parce que moi, je rêve. Eh. J'ai fait un rêve, je parle au pasteur. J'étais seul. Et puis, le pasteur me dit le matin, non, tu étais venu chez moi, on a parlé on de toi. Mais ça me dépasse. Moi, je n'ai pas parlé avec lui. J'ai prié le Seigneur. Mais comment ça se fait que ce soit le pasteur qui me voit, avec qui je parle, c'est pour cela le rêve Seigneur. des chrétiens consacrés, c'est le domaine de Dieu. Okay. Tout comme quand vous n'êtes pas chrétien, c'est le domaine de Satan. Mm-hmm. Parce que tout ça, ça se passe dans la quatrième dimension. Exact. Ça dépend de qui est en train de vous influencer. Mm. La même influence qui est venue vers vous, et la même influence est allée vers son serviteur. Où est le problème? C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Très bien, merci. Très bien, on prend cet appel. Allô? Allô, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, c'est Frère Floris, le coup ça. Oui. Ah, bon, comment intervention dans la Isabouye? Allez-y. Ah, pasteur Barouti, vraiment, c'est un pasteur où je la considéré qu'il m'a cassé comme mon pasteur. Et puis, pour la bolingo, je l'ai dit non. Ah, pasteur Barouti, à Bandogo, Kaboula, puis Koloté. Ça, c'est vrai. La colonie, c'est que yé à Zalaki Kaka pour considérer Moukignon sur le col à un fer ou bien une serre. Ça, c'est vrai. Alors, et le Komoussou Oyo na Salaki constat. Tango Tobanda qui ba Makamboa fils de l'homme. Alors, bah, église Ebele, babando ko prêché kaka, le fils de l'homme est manifesté dans. Il est parti. Vous voulez dire que parti, beaucoup de gens prêchent que le fils de l'homme, c'est Frère Branham. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Mais alors, le pasteur Barouti, c'est lui là, qui m'a arrivé qui a dit que c'est Jésus. Voilà. Beaucoup de gens l'ont contredit à ce moment-là, mais après tout, les mêmes personnes sont revenus sur leur langage. Ah. La sœur Docas qui nous suit depuis Brazzaville, elle dit, je pleure le pasteur Barouti, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Église Shalom Tabernacle de Karemba et son pasteur Lifa Kandumba rend hommage à l'ancien des anciens, Barouti Kasongo, apôtre d'amour. Ton exemple nous montre la voie à suivre, celle de la bonté, de la paix et du pardon. Un grand Baoba, l'homme d'amour, plein d'humilité, plein d'onction, notre emblème, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, plein sur, pèlerin sur cette terre, rendez-vous au pied de Jésus. Amen. Nous en sommes fiers de ces grands travaux abattus par ces grands hommes de Dieu, malgré la séparation physique, mais nous savons que ce que dit la parole dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Shalom, je suis le frère Jean-Marie, je vous suis depuis Paris et nous sommes inquiets suite à la mort de notre évêque Barouti Kasongo. Nous avons manqué un grand baoba au monde du message. Shalom, mes précieux frères, que l'âme du pasteur Barouti repose en paix et Dieu console tous les saints du message. Barouti est un monument dans le monde du message. Justin Mukaba depuis Bukavu. Dieu Epeka qui dit notre papa. Et quelqu'un est en train d'argumenter pour dire que oui, c'est une représentation. Sandra Moussafiri qui nous dit également Dieu travaille à travers lui, à travers le pasteur Barouti, c'est ce qu'il a écrit. Junior Maître Barouti, Jésus incarné à nouveau une chair, dans une chair humaine. La sœur Myriam Nunzeya, je vous suis depuis la commune de Lemba, Livoulou. Nous sommes nés et nous avons grandi au pied du révérend Barouti. Notre pasteur est un apôtre d'amour. Il va terriblement nous manquer. Son sourire va tellement nous manquer. Paix à son âme. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Oh là là, oh là là, il y a perturbation. Voilà, j'ai béni la présence du pasteur Guy Moukeba ainsi que les différents témoignages qu'il nous fournit. Lui qui a été pendant plusieurs années témoin oculaire de beaucoup de miracles qui s'opéraient à travers notre ancien, le pasteur Barouti Kasongo.
En outre, je voulais savoir si un programme officiel des obsèques est déjà établi. Merci, pasteur Joël Pouloulou, Église Jérusalem Tabernacle. Il n'y a pas de programme officiel, mais tout sera communiqué. Dès qu'il y a un programme, suivez la RTVA, vous serez communiqué du programme officiel qui sera donné très bientôt en tout cas. Shalom, je salue le pasteur Kimoukeba. La séparation fait très mal, mais c'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous console, frère Emmanuel Ilunga. On prend quelques appels. Allô? Merci. Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous bonjour. Nous appelez d'où? Bonjour. Na bengi bino na Pascal. Tozo yo kaondeko. Nazali frère à l'église de réveil. Na lingi na lobabo et maman pour na papa na biso atiki biso. Aza papa moko monene tout tiré beaucoup d'attention na kombo na ye na musala sali pour na nzambe na se na moyi. Bo effacer kombo na ete, bo effacer image na ete. Bozala na bomoko, bozala na bolingo. Vraiment aza papa moko nga na yibite na ye problème nini ezala ki entre nga na ye. A sali marambe pele na ministère na ngai na vie chrétienne na ngai na musika. Vraiment passe ça na mutema na ngai na ndaku na ngai na landaka ka télévision na bino na chaîne msusu na tala raté. Vraiment na za na passe le kola ka bino ndenge boza na ngonga pe na za na ngonga nda. Merci. Vraiment Nzambe abatela andima président Andima que Bato le laïna stade des martyrs. Merci beaucoup. Bamate en réunion so et la rediffuser bon temps tant union so toyep to bosa na été que akufa to za la nango ka to yo ka to lemba ngote bolongo la biso ngote to donc vraiment beau garder bamate en réunion so vraiment et le qu'on enseigne en grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Joseph. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Oh, allô. 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 Maman, diminue le volume à la télévision. Ok, bonjour. 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 Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. En tout cas, avec beaucoup de douleur dans notre cœur, vraiment. Papa nous a quittés, c'était un baobab, vraiment. En tout cas, il y a que l'eau penza. Les autres, ça n'a pas mal à qui. Mon thème pas si, mais. Maman Nangaï a lingaka papa makasi na ba miracle na ye. Aza moto ya protestant mais nga naza bien aimé kati na kolo. Naza ndeko na bino na regininga yi maman nenete. Zambe a pambula papa Kimoukeba. Amen. En tout cas, tobo sana pasteur Baruti te na matea na ye vraiment. So, merci beaucoup. Guérison à Bissé Rosa, si ma camboitique est bissouane. Merci. Toka Bonate, tous en a beaucoup en arrière. Merci beaucoup, maman. Ouais. Rachel Kaimbe, que Dieu nous console, vraiment, c'est depuis Paris, je vous suis, je vous salue, que Dieu bénisse Papa Guy Moukeba. Amen. Depuis Paris. Merci. Junior Maître, bonjour, cher bien-aimé. C'est comment le programme? Le programme n'est pas encore établi, vous aurez le détail plus tard. Séverin Doumbi, il est mort, il est notre papa, que son âme repose en paix. Nous allons bientôt nous séparer, mais nous allons lire 5 messages seulement cinq et puis on va se dire au revoir. Le premier message, paix à son âme, notre papa du cœur, nous tous qui sommes de l'autre côté, donc nous regrettons et seulement dont les regrets est seulement sur la terre.
C'est un numéro qui n'a pas signé. Shalom RTVA et au pasteur Moukeba, un grand homme un grand hommage au grand Baobab Eka Léonard, l'homme puissant qui a sorti Dieu de l'histoire ici à Pointe-Noire lors de sa campagne Docteur Jésus en 2011. Un homme rempli d'onction, que Dieu le reçoive, il mérite une statue en son hommage. Et je crois que nous allons nous revoir d'ici peu. Que Dieu vous bénisse, frère Jaffé depuis Pointe-Noire. Shalom. En passant, je vote aussi pour le stade des Martyrs, que le président Fatih nous entende. Merci beaucoup. Merci. Salut, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse particulièrement mon pasteur Guy. Amen. Vous savez, avant que Béka ne nous donne le pasteur Guy, je le voyais toujours dans le songe. Il me disait, mon ami, tu es là, viens t'asseoir à mes côtés, que son âme repose en paix. Grâce qui t'engue. Merci. Mes condoléances à l'épouse de Christ, j'ai le douleur vraiment, vraiment, que son âme repose en paix, l'apôtre d'amour, c'est la sœur Nathalie depuis Brazzaville. Salut, je m'appelle Mbuta, pasteur Baruti Buloko, Asali, pasteur Moko, Akusala Kangote na Congo. Que Dieu vous bénisse, je suis la sœur Carmel, je demande... pour le prix de Lacoste et Polo. Il dit ceci. Il doit revoir le prix. Nous voulons à ce que nous tous, les jours en question, être vêtus avec les visages de notre papa. Mettez même 5 000 francs, 5 dollars. Je ne sais pas. Nous ne savons pas comment ça se passe. C'est peut-être une organisation personnelle. Je ne sais pas. En tout cas, on ne saura vous répondre à ce sujet. Il y a tellement beaucoup de messages, mais vu que la télé, c'est le temps, nous allons encore revenir sur ce plateau. Vous aurez encore le temps de nous appeler, de nous écrire. Et pour le moment, on va clôturer là aujourd'hui. Un dernier mot pour le révérend Guy Moukeba. Voilà. Le dernier mot que je puis dire, c'est tout simplement de pouvoir demander à tous mes frères et sœurs en Christ à Barou Tabernacle, comme notre sœur l'a demandé, d'être en paix. D'être en paix. Le pasteur Barouti, notre monument, nous a laissé des acquis que nous devons protéger. Et pour cela, et pour honorer sa mémoire, nous devons garder les choses telles que lui les voulait. Merci beaucoup. Je bénis tout le monde dans le monde entier. Comme vous êtes tellement intéressé à la chose, nous savons que vos cœurs ont été aussi blessés, que Dieu puisse panser vos plaies. Et nous appelons tout le monde, les amis du pasteur Barouti, que moi je connais personnellement bien, vous savez, les autorités. Ce n'est pas le moment d'abandonner votre collègue, votre frère. Tout le temps que vous étiez dans besoin pour lui, il venait, il priait. Mm-hmm. Nous voulons que vous puissiez venir pleurer avec nous et vous puissiez aussi vraiment participer à ces deux ici. Nous vous attendons. Je ne peux pas citer les noms, mais nous connaissons toutes ces personnes, ses amis. Et il venait aussi le chercher, même la nuit. Tout à fait. Ses amis, serviteurs de Dieu, vous le savez très bien. Je suis sûr que dans l'église des réveils, les choses sont en train de s'organiser pour que nous puissions aussi voir leur participation à cet événement qui nous a frappés. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Je salue ma maison, ma chère épouse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à toute l'équipe. Nous avions Framal Malimbi derrière le caméra qui a été accompagné par David. Il y a John Lusala, Hector Badibanga, Murphy Nongue et Arnold sont à la régie. Et bien d'autres, l'assistance aussi de Benny. On va se retrouver certainement demain. Demain, nous serons là pour
continuer avec les hommages, mais ce soir il y aura encore une autre émission. Certainement. Je pense avec moi, tu vas revenir. Ou ce soir, avec le frère Jérôme. Jérôme. Entre voilà. Jérôme et Nelson, il y aura une personne qui sera là pour continuer. Et nous, on vous fixe rendez-vous pour demain samedi avec d'autres serviteurs de Dieu qui viendront vous parler du révérend Baruti Kasongo Binjadi. C'est fini. Merci, au revoir. Et c'est le signe. Tu veux que tu aies un wapi? Non, non, non.